T'as vu ces marbrures? Ah ouais, c'est très très beau, hein. Ça me fait penser à un vieux mur, mur humide, avec la mousse, du marbre. Alors humide, bah carrément le fond de la mer, quoi. Maison de la sirène. Non, mais une hutte. Hutte de la sirène, hutte. Un abri. Abri. Ah ouais, t'imagines, collection abri de la sirène. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait un travail brut, plus sauvage, une image un peu comme colline. Un peu simple, c'est ça? Ouais. Ouais, colline. Mais colline, si tu veux, il y a un côté nettement vers le paysage, quoi. Construit, paysager. Ici, c'est autre chose. Ouais, c'est une ambiance. Une ambiance. Une émotion. C'est bah d'ailleurs ça te fait pas penser à un zoo? On commence à s'approcher là d'un verre, tu sais, ces verres magnifiques de Piero della Francesca, là, ces habits, cette espèce de matière un peu peinture. Bon, là, c'est mosaïque, mais c'est quand même une vibration de lumière qu'on cherche, d'être illuminé de l'intérieur et en même temps très sobre. Oui, effectivement, mais ça manque encore de vibration. Tu penses pas que ça serait mieux de mettre des pépites de vert et des bleus pour que ça anime un peu plus le vert.
Au grenier, immense malle bondée de souvenirs de voyage. Boîte à bonbons en lac du Japon, cachée en haut de l'armoire. Coffret à maquillage, au parfum nostalgique de poudre de riz. Valise en carton, vernis bleu,